الكونسول تاع لي زاني الاوكسيليير ما حبش يتنحى. Et là, on n'a plus le retour. Ah si, j'ai le retour. Reda, tu as le bdel ? Ouais. Il est déjà 10. On va y aller, on va y aller. Karim, ou la Nadir, tiens, puisque c'est ta première, tu te charges de faire le tour de table ? Une nouvelle technologie. Et ce soir dans l'émission, nous avons la chance incommensurable de n'avoir pas un, mais deux chroniqueurs. Alors Karim Barak, vous connaissez, il squatte évidemment l'émission depuis 4 semaines déjà. Ça frise d'overdose par certains moments. Et ce soir, c'est la première émission d'un nouveau venu dans l'équipe. C'est un plaisir de l'avoir. Va nous apporter sa vision parce que c'est un maître en S, non, docteur S digital, c'est ça la formulation que tu avais utilisée la dernière fois, Nadir Meddour en personne. Merci Reda, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de rejoindre l'équipe justement. Alors est-ce que tu sais que tu ne seras pas payé ? Ah ben oui. Est-ce que tu sais que Aïssa Mladi va te fouetter à intervalles réguliers ? Non, pas de soucis. On est déjà... Ah, pas de soucis. Aïssa, tu vas trouver un cobaye. C'est un plaisir déjà d'être parmi vous et j'espère inchallah qu'on sera à la hauteur des attentes de nos amis auditeurs. Auditeurs avec un Z, c'est excellent. Allez, il y a un plateau exceptionnel ce soir puisque nous avons évidemment des figures incontournables du petit monde de l'IT, à commencer par... Exactement. On commence le tour de table par Samir. Samir, l'incontournable Samir Belli. On n'a pas le choix. On est obligé. Comment ça, incontournable ? C'est votre gilet jaune national. Deux années, pas de rencontre. Ça commence mal, ça commence. Voilà, on a aussi. Alors, il faut expliquer qui est Samir Belli. Samir, c'est l'un des, comment on dit, l'un des piliers de la communauté web en Algérie. Il va nous parler aujourd'hui de sa nouvelle émission digitale Samir Belli 14. Samir Belli Digital 14. Digital 14. On a aussi... Avec, mais moi j'adore ouais. La modestie du concept. C'est comme si j'avais appelé Shazam Reda Menassel 22 aujourd'hui. Oui, c'est un concept. Il va nous expliquer ce qu'est le personal branding par la suite. Exactement. On a avec nous aujourd'hui, c'est sa première aussi, je pense, à la radio... Nassim Rahali. Ah, c'est la première, Nassim. Ouais. Oh. Voilà, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Nassim, c'est un passionné du digital, du web en général. C'est un développeur. Il a. Oh, c'est mignon ça! That's a job! Donc, il touche bien aussi aux réseaux sociaux, community management, relations clients digitales, etc. Il va nous parler après d'un concept qu'on a lancé ensemble, d'une rencontre, on va en parler après. Celle qui a déjà eu lieu la dernière fois, voilà. J'ai pas pu. D'accord. Exactement, qu'on a appelé Net Lakao. C'est joli. Voilà, Net Lakao, c'est des rencontres networking de la communauté web. Tu vois, lui, il n'a pas appelé Nadir Meddour. Voilà, on a Salim, monsieur Salim Bidja, qui est digital manager. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire. Bien sûr, tu peux le dire une fois. Une fois, d'accord. Donc, qui est digital manager chez Iris. Il va aussi participer avec nous pour nous donner son avis sur les événements TIC qu'on a eu plus, qu'on a vécu ces derniers faire jours. Une espèce d'éphémérie, voilà, de bilan de l'année. Exactement. Et monsieur, bon, je laisse Karim le présenter, qui est le gagnant de Be My App, je pense. Oh, ouais, je pense qu'il vaut qu'il se présente lui-même. Voilà. Tout ça pour dire que tu as oublié le nom du gagnant de Be My App, c'est ça le... D'accord, ok. Heureusement que je ne te paie pas, sinon il n'a qu'à déjà. Faudal, ben bon, alors, vu que je suis obligé de le faire, Abdel Hakoucha. Tu n'es pas obligé, hein. On ne force personne dans cette émission. Ah, sinon personne ne me connaîtra parmi les autres. Donc, Abdel Hakoucha, je suis étudiant et comme vous l'avez dit, gagnant au Bimaya. Eh bien, ça mérite des applaudissements. Bravo. Respect. Alors, il faut expliquer évidemment.
faut expliquer à nos auditeurs qui n'ont pas suivi les précédents numéros ce qu'est le Be My App, Kerim. C'est une compétition de développement d'applications mobiles, 48 heures, qu'on a l'habitude d'organiser depuis plusieurs années, mais cette année a une spécificité par rapport à la thématique d'Algérie 2.0, c'était l'environnement. Il fallait trouver une application thématique écologique. Voilà. Écologique, préservation de l'environnement, gestion des déchets ou tout autre, c'est-à-dire que c'était ouvert et les participants devaient trouver une solution pour avoir les meilleurs domaines de l'environnement. D'accord. Quel a été justement le projet, le lauréat? Ça consistait en quoi? Donc notre application qu'on a développée avec toute l'équipe, que je salue bien sûr, c'était Greenpost. Donc ça consistait à rassembler bénévoles et associations de protection de l'environnement via une plateforme de partage d'événements. Donc les associations partageaient leurs événements, des bénévoles participaient, donnaient leur avis dessus. Donc je suppose qu'il y a un système de veille qui est instauré pour essayer de répertorier tous ces événements. Et vous avez mis en place, from scratch, la plateforme en question. Oui, ben, l'idée on l'avait déjà développée le jour J de l'événement. Donc on avait passé toute une nuit à développer l'idée, à trouver les fonctionnalités. Alors je rappelle que c'est une équipe disparate, vous ne vous connaissiez pas forcément. Justement, le petit détail, c'est qu'on se connaissait car on fait partie d'un seul même club. Ils ont le droit de faire ça, Kerim ? Bien sûr. Non, là, c'est intéressant ce qu'il a dit, lui, parce que ce qui a été la seule obligation, c'est de développer tout sur place. Et d'ailleurs, même lui peut en témoigner, c'est qu'à la fin, même c'est Link, parce qu'il était présent, à la fin, on avait des membres du jury qui avaient des soupçons. Oui, par rapport au développement. C'était tellement fait rapidement et bien fait qu'ils ont vérifié presque tous les laptops des participants pour voir si ça a été développé. Avec les fichiers log et tout, on avait des experts en sécurité qui ont vérifié si c'était développé sur place. Ces fichiers en question étaient déjà présents dans PC. Qui téléchargés ou autres, ils ont trouvé que tout le monde avait honoré ses engagements. C'était et pourquoi ce soupçon, c'est déjà arrivé dans les précédentes éditions? Non, c'est pas arrivé, mais c'est juste que cette fois-là, puisqu'on avait donné la thématique auparavant, parce que le principe de Be My App à l'origine, c'est que les porteurs de projets présentent des propositions de projets et le hic au skillet, c'est que ce n'est pas évident que ça soit retenu. Donc personne n'est sûr, même s'il développe la solution avant chez lui, il se peut que lorsqu'il arrive au Be My App, quand il passe devant des coachs, son idée ne soit pas retenue, donc il aurait travaillé pour rien. Et cette année, puisque la thématique a été dévoilée un peu à l'avance, donc il aurait pu... Les gens auraient pu, mais juste pas prêt, c'est-à-dire... Précaution, c'est tout, c'est pas du doute ou bien quelque chose. D'accord, c'est bon à savoir en tout cas, c'est une belle transparence. C'était tellement bien fait que. Tout Swiss à l'Algérie. Non, pas à l'Algérie, la Marocaine aussi. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Je pense que ça va partir dans tous les sens, c'est qu'on aurait bien voulu faire 2-3 émissions comme ça d'affilée, vu le plateau exceptionnel qu'on vous propose ce soir, amis. Auditeur, alors, qui veut commencer? Qui veut, parce que c'est une émission sans forcément de fil conducteur, mais c'est une émission de débat. Vous êtes 6, j'espère que vous n'allez pas prendre de gants, j'espère qu'il y aura des morts à la fin de l'émission, qu'on va être obligé d'évacuer. Tiens, je me retourne vers toi, Samuel. Yes, sir. On va commencer par parler évidemment de ton concept, ces espèces de, tu me corrigeras, de petits podcasts, de capsules visuelles quelque part, où tu fais sans honte du personnel branding. Exactement. Donc là, on est au troisième, quatrième numéro en fait qu'on a tourné aujourd'hui. On peut citer les premiers numéros. Il y a eu Naïma Abbas. Voilà, premier numéro, c'était le numéro 0, c'était le pilote. Naïma Abbas a bien voulu jouer le jeu et donc, elle n'a pas le choix. Hein, elle n'a pas le choix. Effectivement. Donc elle a vraiment bien joué le jeu. On a eu Hakim Sophie. Deuxième numéro, Kerem Barek, effectivement. Justement. Ensuite, on a eu Hakim Soufi. Et aujourd'hui, on a tourné, on va diffuser le numéro lundi prochain. Donc, Kerem Abdelmoula. D'accord. Donc, l'idée, c'est en fait faire connaître un peu l'écosystème et les personnes qui contribuent à cet écosystème tech et digital en Algérie. Répondre aux questions des internautes, c'est très très important. L'interactivité, c'est le cœur, encore une fois, du concept. Et le premier, en fait, on commence toujours l'émission par l'actu des deux dernières semaines, digital et tech, national et international. Donc, c'est 15 minutes sur l'actu, 15 minutes sur l'invité et 15 minutes sur les réponses aux questions des internautes. Sauf qu'on en parlait tout à l'heure en off, évidemment, à cause de la connexion Internet extraordinaire, de l'écosystème majeur qui va changer parce qu'il y aura l'Ontario bientôt. Exactement. Grâce à cette connexion, bon, effectivement, il y a de l'interactivité, les gens réagissent.
Sauf que ça bug, ça lag, la qualité visuelle n'est pas forcément au rendez-vous, etc. Et là, tu as fait le choix, maintenant, de filmer en amont. De monter et de proposer ça une fois que c'était AD qu'on a dit. Exactement. Donc, en fait, les deux premiers numéros avec Naïma et Karim, Mbarak, donc on voulait faire ça en live pour avoir le côté interactif et pouvoir justement répondre en live aux questions des internautes. Et ça a donné de bons résultats les premières fois, même si la qualité du son et de l'image n'était pas surtout au rendez-vous. Voilà. Ensuite, donc on a décidé de changer vers un tournage au préalable avec Hakim Soufi. Ce qu'on a fait, en fait, on tourne au préalable, on n'a pas encore les questions. Ensuite, pendant la durée des 3-4 jours qui séparent justement le tournage et la diffusion, une mini-campagne de... on récolte les questions des internautes, on répond chacun sur son téléphone séparément donc les réponses aux questions et on rajoute ça au montage derrière. D'accord. Et ça donne un peu un effet comme sur les émissions où tu as un intervenant qui est quelque part dans le monde et qui répond sur Skype. Mmh. Donc ça donne ce genre d'effet. C'était le premier essai, on va voir aujourd'hui avec Karim Moula comment on va faire. Les prochains numéros, on va changer un peu le planning qu'on a aujourd'hui de publication, de deviner qui est l'invité, etc. Où on va... C'est quel rythme actuellement? C'est mensuel? C'est tous les 14 jours, c'est pour ça Digital 14 en fait. D'accord. On n'a pas cherché très loin le nom. Vraiment, ce n'était pas Digital 42, comme le nom de ta boîte, il y aurait plus de... Effectivement, ça aurait été vraiment très très long. Donc, ta boîte qui s'appelle 42, ça aurait pu s'appeler Semerbelik, encore une fois, je sais voilà, pas pourquoi tu es... Alors justement, pourquoi est-ce que j'appelle ça Semerbelik Digital 14? Hein, je comprends. Parce que tu es mégalomane, il faut le dire. Exactement. Voilà. Je suis un gros mégalomane, j'adore mon nom, je le vois tout le temps et je l'aime. Je l'aime. Non, non, franchement, en fait, c'est plus pour tester certaines théories qu'on a aujourd'hui dans l'agence et pouvoir essayer justement de montrer comment on pourrait construire du personal branding. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas forcément du domaine ce qu'est le personal branding. Alors, personal branding, personal de soi-même et branding de marque. Donc, c'est comment construire sa propre marque autour de soi. Donc, c'est un peu le culte de l'ego et tout ce qui s'ensuit. Sauf que dans l'ère d'Internet, c'est plus comment construire sa propre réputation. Donc, on rentre un peu dans la partie réputation, etc. Comment construire sa propre réputation pour soit un but business, se faire recruter, vendre, quoi que ce soit. Donc, se faire connaître et se faire connaître. Donc, si vous êtes excellent mais que personne ne le sait, ça ne sert strictement à rien. Exactement. Donc, ce qu'on est en train de conseiller en ce moment aux jeunes, justement, quand qu'on a rencontré Algérie 2.0, les gens qu'on rencontre dans les différents événements, c'est commencer dès maintenant à créer un blog, poster sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, autour des sujets qui vous intéressent ou les sujets que vous voulez justement construire votre réputation autour pour que, quand vous arrivez sur le marché du travail, vous avez déjà un passif qui est encore mieux qu'un CV. C'est-à-dire, voilà, je parle de ce sujet depuis très longtemps, je maîtrise ce sujet, ou du moins, j'ai des connaissances profondes dans ce sujet. Justement, Samir, on a eu une grande problématique par rapport à ça. Chaque année, on fait des call of speakers, c'est-à-dire, on cherche des speakers pour AGA 2.0. Et je peux dire, jusqu'à 80 ou 90% des gens qui ont demandé à être speaker n'avaient rien sur le net. Ouais. Même s'ils étaient compétents, on ne remet pas leurs compétences en doute, mais ils n'avaient ni vidéo, ni sur Google, ni... Et ça, c'est le problème que même nous, les journalistes, avons, c'est-à-dire qu'il m'arrive plein de fois d'inviter des personnes, et je vous certifie que je passe 2 heures, 3 heures, 4 heures à essayer de stalker, à récolter une bribe d'information ici, un bout de CV là, pour essayer de construire encore une fois le background du personnage. Donc, imaginez AGA 2.0 avec 82 speakers. Ça, c'est un autre débat parce que je trouve qu'il y en avait trop. Mais on va y revenir en cours d'année. C'est tout à fait normal. Ça, en fait, c'est, on n'a pas encore cette culture de produire du contenu et de croire en Internet comme étant un support de communication pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu le problème d'avoir Internet un peu lentement par rapport au reste du monde. C'est-à-dire que l'ADSL était là depuis longtemps, mais l'auto-pénétration n'était pas assez élevée. La 3G, on ne va pas citer l'étude qui a fait polémique justement cette semaine, qui a relégué vraiment en bas de classement. Donc... Mais je l'ai cité pendant l'émission. C'était, ça faisait partie de l'actu. D'accord. Surtout que dans l'actu qu'on avait commenté avec Karim lors de son passage, c'était par contre la bonne nouvelle qu'en 2019, on allait avoir un double... le débit va doubler avec Carmen Cri. J'attends de voir. Non, moi j'y crois parce qu'en fait c'est pas la première fois qu'ils font ça, ça a été fait déjà 2 ou 3 fois depuis le lancement de la DSL. J'attends de voir. Voilà. Donc aujourd'hui, la connexion que j'ai à la maison et au bureau, on m'annonce 4 mégas ou 8 mégas, j'ai les 4 mégas ou 8 mégas, sauf que c'est pas stable et constant. Donc si on double ça, j'aurai mieux, pas constant.
L'art de la palissade, c'est extraordinaire. Parce que c'est la connexion asymétrique. C'est-à-dire, oui. Surtout pour les lives, on a vécu ça. Pour le live, il faut vraiment avoir de l'upload. Un bon début ouais. d'upload. Parce que pourquoi les lives. J'ai mis 3 jours à uploader ce que j'ai filmé pendant Algérie 2.0. Hein. Oui, mais même quand tu fais du live, si tu as un mauvais upload. C'est un gros fichier. Un fichier de 6 gigas. Mais 3 jours pour 6 gigas, c'est trop. Non, mais l'émission, par exemple, l'émission qu'on a tournée avec Hakim Sophie, on a tourné ça. Donc j'avais un fichier en 1080p qui faisait 6 gigas. En 4G, j'étais dans un coin où ça captait bien, je l'ai uploadé en 4 heures. Mais là, au niveau de nos bureaux à Ben Haklon, on a Afripol qui est en face, donc il y a des brouilleurs. Ouais. On a des casernes militaires aussi à Ben Haklon, donc qui ont aussi des brouilleurs. Donc la qualité de la connexion est toujours affreuse. Donc il y a des horaires pendant la journée où ça passe, mais en général, des micro-coupures tout le temps. Mais c'est mieux qu'avant, t'aurais pu passer. Ah non, c'est beaucoup mieux qu'avant. Non, avant, ça aurait été juste impossible. Si on rentre dans cette logique, c'était mieux avant. Non, moi je veux juste qu'on se mette d'accord. Je ne critique pas pour critiquer. La qualité de la connexion depuis que ça a été lancé. D'accord, on lui enlève l'agrément. J'ai pas d'agrément. Il n'y a pas d'agrément. Coming out dans l'émission. Mais un agrément pour une agence de communication, c'est quoi comme agrément? Bref, en tout cas, la qualité de la connexion s'est améliorée. Je suis désolé. Ça fait 4 ans que j'ai une agence qui est basée sur le travail sur Internet. C'est-à-dire que si la connexion n'existait pas ou qu'elle était si mauvaise que ça, j'aurais pas pu travailler. Est-ce que vous êtes d'accord autour de cette table? Est-ce qu'encore une fois, la qualité d'Internet, encore une fois, vous êtes tous dans le digital, vous permet de travailler efficacement chacun dans votre field? Sans langue de bois, on est dans Shazam. Moi, je pense qu'il doit déménager. Ah oui, non, ça c'est clair. Ouais. Dès que je peux. Non, mais on constate une amélioration. Est-ce qu'elle est suffisante pour 2018 et par rapport au reste du monde? Non, pas encore suffisante. On peut mieux faire. Oui, on peut beaucoup mieux faire. Et on va être beaucoup mieux, on est beaucoup plus efficace si on avait mieux de... Parce que ce qu'oublient certains décideurs, encore une fois, c'est qu'Internet, ce n'est pas que des loisirs, c'est pas juste pour regarder des vidéos. Vous gagnez votre vie grâce à ça. Exactement. C'est surtout, c'est des emails, c'est des partages de vidéos, partage de travail. Donc, je ne connais pas une société qui ne travaille pas par des emails. Son travail ne passe pas essentiellement par des emails. S'il reste quelques vieilles institutions, c'est le fax. Par fax. Télax. Ou la radio. Télax. La radio, par exemple, travaille énormément par fax, hélas. Donc, l'ensemble, par exemple, là où je suis, donc une petite coupure d'une heure d'Internet, c'est la panique générale. Mm-hmm. Bah oui. Voilà, c'est une panique générale. Non, tu parles des emails. Les emails, c'est la base d'Internet. C'est tu vois, c'est Internet. Donc, les emails, si t'as le malheur d'avoir une pièce jointe, ma chère, c'est pas un truc d'un méga ou d'un 10 méga. On est déjà 20 méga. Des fichiers de 500 kilos, mais d'accrocher. Voilà, je reçois l'email, je vois que mon email, j'ai une pièce jointe qui fait même pas un méga, j'attends une heure avant d'aller. Yeah, le fichier Excel, ma chère, j'ai déjà un fichier de base. Ah oui, c'est là, il y en a qui va se de communication dans le travail avec des emails ou avec les réseaux sociaux. Mais on parle maintenant de revenus carrément qui viennent d'Internet. Les VTC par exemple, c'est tout un business qui est basé sur ça. Donc les VTC, les petites startups qui commencent. Ils n'ont qu'Internet pour communiquer. Ils ne vont pas communiquer sur la télé ou sur la radio. Et les gens qui font du e-learning. Et surtout avec l'avènement évidemment du commerce de manière générale, du e-payment. Encore une fois, Hakim Sophie que nous avions reçu la semaine dernière, vous avez parlé d'une panne au niveau de la vie de travail, on ne va pas citer le nom. Ouais. Voilà, c'est une perte sèche financière. Et c'est surtout une perte de crédibilité de la marque et des clients qui se disent bon, ben, je vais peut-être aller ailleurs où ce sera un peu mieux, un peu plus stable. Alors on a la clôture, non pas longtemps. Que faire pour améliorer cette situation, au-delà évidemment des politiques nationales, des plans encore une fois du ministère des TIC, mais au niveau individuel, quelle serait selon vous, vous êtes tous des experts, la solution? Tiens, quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu sur le sujet, monsieur Rahali. Bonjour. Bonsoir, Aleda. Merci pour l'invitation. Ça te fera Chal Issam 10 000 dinars. Voilà. Ah, ouais. C'est Issam qui décide derrière la vie. En fait, personnellement, je vois pas beaucoup de solutions côté
nous, en tant qu'acteurs du digital, où c'est vraiment... Les acteurs sont condamnés à subir, en fait, c'est ça que oui, tu... Oui, on est vraiment liés à des institutions ou des fournisseurs d'Internet, etc. Donc, on n'a pas assez le choix, on n'a pas beaucoup d'acteurs dans les télécoms ou bien des fournisseurs de, d'Internet. Donc... Est-ce que, par exemple, la création du cluster digital il y a 2-3 ans, c'était une tentative pour justement unifier toutes ces bandes de volonté et devenir, encore une fois en théorie, un interlocuteur crédible par rapport au pouvoir public? Je ne sais pas où ça en est, je ne sais pas ce que ça devient, mais est-ce que ce n'était pas aussi un début de solution? Pourquoi pas le refaire de manière un peu plus intelligente, mieux construite et mieux organisée? Alors, j'aurais une question pour toi par rapport à par ah, rapport à ta mais question. C'est moi qui pose les questions. Parce que non, c'est bien, mais on a déjà le droit d'en aller, vite fait. Donc, ce cluster dont tu parles, effectivement, on connaît tous ce cluster. Sans rentrer dans les détails, sans rentrer dans les détails, non, c'est, je ne veux même pas critiquer. C'est-à-dire que quand ça s'est lancé, c'était un peu un souffle d'espoir. On s'est dit, voilà, on a un collectif qui pourrait représenter le secteur justement, qu'elle me connaît encore mieux que moi, parce qu'il en a fait partie. Voilà. J'ai fait partie de ce cluster. Fondateur même, il me semble. Oui, exactement. Et donc, mais je peux le dire, Nassim, mais je peux... Oui, bien sûr. Toi, tu es à l'intérieur, tu peux dire ce que tu veux. Il est moins diplomate. Voilà. Diplomate, et bien, ça fait maintenant 3 ans, je pense. 3 ans, il n'a rien foutu. Ça fait concrètement pour... C'était la question que j'allais dire. Ça fait combien de temps qu'on n'en a pas entendu parler? En fait, on entend parler de certains des acteurs du cluster, encore une fois, sans citer personne, qui ont énormément d'activités. Les acteurs, chacun a sa qualité. C'est vrai, en tant qu'entité. Chaque membre, je l'estime, on s'estime mutuellement, c'est des gens respectables, on les aime et tout. Mais je parle concrètement, c'est-à-dire le cluster en tant qu'institution, disons, je peux... Oui, oui, c'est une institution. C'est qu'en 3 ans, rien foutu. D'accord. Pourquoi? Est-ce que tu étais à l'intérieur? Pourquoi? Parce que tout simplement, il y aurait plusieurs problèmes. Problème de communication, problème de... Communication entre qui? Entre les différents membres? Oui, il faut de l'intra-communication. C'est-à-dire, il faut une stratégie. Il faut, comment dirais-je, il ne faut pas aller dans la politique parce que ce n'est pas notre rôle. Il y a des gens qui font de la politique, qui sont là pour faire de la politique. Nous, on est là pour travailler, pour aider l'écosystème, aider les acteurs d'écosystème à avoir des choses qui sont légitimes. Comme on parlait tout à l'heure, la connexion, une bonne... Oui, vas-y. Oui, allez, coupez, allez. Donc, je suis désolé, parce que sans rentrer dans ce genre de détails, en fait, le problème que j'ai constaté moi-même justement avec ça, c'est quel que soit le type d'institution que tu vas créer, quand vous avez un cluster constitué d'entreprises dans les TIC, qui ne sont pas forcément de grandes entreprises. Hein. On est, dans les TIC, on est tous soit des micro, petites entreprises. C'est des PME. Enfin, non, PME, non, mais déjà. Il y a de grosses entreprises dans ce cluster. Il y a de grosses entreprises. Qui par exemple, Iris, ils sont membres. Ouais. Il y a aussi il y a d'autres acteurs qui sont membres. Ils sont membres au nom d'Iris. Voilà. D'accord. Oui, exactement. Ah, mais aussi, on fait partie. Non. Je veux dire, on n'a pas décidé une fois. Une fois, mais trois. Comment se lancer? Dans des sujets différents. Il y a de la complicité autour de la table. Pardon, c'est pour moi, rebondir par rapport à la question des solutions par rapport à Internet. À mon avis, c'est déjà d'avoir des concurrents par rapport au fixe Internet fixe. C'est-à-dire, si le holding Algérie Télécom laisse des concurrents. Ouais. Voilà. C'est déjà arrivé avec les pads, on sait comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé parce qu'ils ont augmenté, du coup ils ont pratiqué. Voilà. Ma question, encore une fois, ce n'est pas d'imaginer en théorie quelles seraient les solutions éventuelles, c'est de faire avec le paradigme ambiant, avec ce que nous avons. Qu'on a, en fait, personnellement, je vois de l'espoir. Tout à l'heure, Salim a parlé du data center. Le data center, malgré la communication qui a été faite autour de ça, qui était juste à côté de la plaque, c'est une excellente nouvelle pour l'Algérie. C'est-à-dire qu'on aura un data center, non, dans l'absolu, un data center national, c'est une question de souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'on a un endroit assez grand et assez puissant pour sauvegarder toutes les données du pays pour... Je te réponds un seul mot. Vas-y. Sériste. Ce type de data center, le sériste. Est-ce que le sériste, depuis sa création, a joué le rôle qu'il devait jouer? Mais c'est pas son rôle. Il faut 48 data centers dans chaque village. Oui, non, il en faut beaucoup. Mais quand on passe de 0 à 1... Mais il faudrait créer un cloud national
il faut, c'est facile oui, de faire, faire, faire. Les moyens, faire. Ils existent. Non, les pétroles, on ne va pas parler de faire des pétroles. Donc, mais. Là, tu m'as abattu au Nash Lhab, s'il vous plaît. Quand on passe de zéro. Zéro initiative en termes de data center à part les privés, à un data center national où l'État met les moyens qu'il faut pour créer quelque chose de grand, ensuite tu pourras avoir d'autres data centers qui voilà. C'est un début. Encore une fois, un data center, c'est de la maintenance, c'est un personnel, c'est de l'emploi hyper qualifié, c'est de l'emploi à créer, etc. Non, c'est pas que des structures. Oui, mais justement, cette structure en elle-même, avec un truc, par exemple, tous les opérateurs téléphoniques en Algérie, que ce soit ma mobile ou ma fixe Algérie Télécom, donc. Tous ces opérateurs-là ont un grand problème qui s'appelle l'interconnexion. Oui. C'est-à-dire que tous les appels qu'on fait vers l'international, pourquoi ça coûte cher ? Parce que le réseau d'Al-Nahnaya doit payer le réseau d'Al-Nahnaya pour l'utilisation de son réseau pour la communication. Ce qui est encore plus compliqué pour Internet. Quand tu fais Internet, quand tu navigues sur Internet, c'est comme si tu faisais un appel téléphonique, ça utilise les lignes téléphoniques. Ouais. Et donc il y a une interconnexion, sachant que toutes les données ne sont pas stockées en Algérie, donc on sort beaucoup plus que ce qu'on rentre en Algérie. Donc on a un déficit par rapport à ça. Et donc tous ces opérateurs doivent payer chaque année des sommes astronomiques aux opérateurs étrangers par lesquels ils passent. Oui. Si tu as un data center ici, tu as certaines technologies qui permettent de détecter quels sont les contenus les plus utilisés sur Internet, les télécharger en local, et au lieu d'avoir 50 millions de personnes, 50 millions de requêtes qui vont à l'étranger, on aura 10 requêtes, 100 requêtes, 1000 requêtes, ok. Ça, c'est un contenu intéressant. On télécharge et du coup, tout sera en boucle locale. Nadir. Moi, j'allais dire oui, bon, c'est un bon début. T'avais dit, Reda, on s'arrête pas là. Hein. Déjà, on arrête d'en parler. Hein. Voilà. Déjà, le premier pas, c'est d'arrêter d'en parler. Et de le faire. Et de le faire. Voilà. Exactement. Faire chacun. C'est vrai qu'en Algérie, on a tendance à énormément communiquer sur. On avance, c'est bon, on arrête d'en parler, ça on a des problèmes, ça on est en retard, ça on n'a pas de plateforme performante, etc. Mais c'est un début. Le data center, c'est un début, la connexion qui commence à s'améliorer, ben, ok, on fait avec. C'est difficile, mais c'est un challenge. Mais c'est bien dans les data centers, comme Algérie Télécom, les opérateurs mobiles, ils ont qui maintient le vert, l'opérateur vert. La subtilité tienne. Donc tu as le rouge, tu as le rouge et tu as le blanc. L'orange et le vert. L'assureur national aussi, on a. Oui. Un grand et cloud. On va parler en ordre code ce soir à partir de tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils ont le droit de laisser les gens utiliser les data centers, s'ils ont des prérogatives pour. Comme tu as dit, télécharger les contenus plus visités et C'est compliqué pour ça. En fait, s'ils voulaient l'utiliser pour le grand public, il faudrait qu'ils aient, dans le registre de commerce, le fait d'être un ISP, donc un fournisseur d'accès à Internet. Ouais. Donc, et pour avoir ça, c'est bien sûr, il faut avoir l'accord de la RPT. Un changement statut, etc. D'accord. Donc ça reste compliqué, surtout que les lois autour de ça se sont resserrées les dernières années. Et donc, et surtout que ce serait peut-être pas rentable pour eux, vu que c'est pas si, forcément en fait, c'est rentable. Justement, un exemple aujourd'hui qui est concret, la FTA. Oui. Donc la FTA est un ISP, de sa nature, de sa propre nature. Oula, c'est une métaphore complètement à l'envers. Tu peux dire structurellement. Légalement, c'est un ISP aussi. Ceci est une information. Donc, la RTA, oui, Radio-Télévision Algérie. Bon, premièrement, ce statut n'existe plus. C'est plus la RTA. Ce sont le BTB et le. Voilà. 79. Non, je les ai contactés récemment. Je suis présent en tant que. 2018. C'est un même langage. Mais les deux entités, encore une fois, sont hyper séparées. Il y en a qui travaillent avec aujourd'hui en Algérie, etc. Propose justement des hébergements. C'est la TDA, tu parles de la TDA. Télédiffusion algérienne. C'est eux qui proposent. Autant pour moi, je suis très mauvais sur les noms. Donc, j'assume pleinement. Tu te sens comment, donc, je crois, t'as vu le changement de hyper sûr après un an et après un pardon. En plus, c'est filmé, ça va être diffusé. Et c'est même moi-même qui filme et je vais pas couper ça au montage. Sérieusement. Mais je vais pas me couper ce que t'as dit au début. J'ai discuté avec les gars TDS, c'est des jeunes, tous des jeunes. C'est ça, et c'est jeunes, dynamiques, très bons techniquement. Ils se rapprochent, mais c'est pas de la. Donc, ils proposent des hébergements web. Donc tu veux héberger ton site, aujourd'hui tu n'as pas, tu peux aller ailleurs que chez le Cirrus, là chez Jawab, tu peux aller chez eux directement. Ils proposent des serveurs, donc tu peux avoir ton propre serveur dédié chez eux, tu peux avoir des VPS, etc. Et justement,
Tu vois, c'est une entreprise, mais normalement, tu ne peux pas penser à ça pour ce genre de service. Aujourd'hui, ils le font. Donc, ça n'empêche en rien que les opérateurs téléphoniques ou d'autres entités qui ont des data centers de pouvoir mutualiser ça, parce qu'ils ne vont jamais les utiliser à 100%. Le vert, je pense qu'il veut le faire. Oui. Oui, il veut le faire. Justement, alors, le plus jeune autour de la table. J'ai votre avis sur le data center de Bahia. Ça, c'est par rapport aux mentalités des entreprises qu'on a en Algérie. Qu'est-ce qui les pousse à stocker leurs données dans un data center qui est national et qui peut ne pas être sécurisé? Exactement, c'est la question la plus pertinente la de la soirée. Juste la loi. Toutes les entreprises nationales sont obligées par la loi de stocker leurs informations en Algérie et pas ailleurs. Les ministères. Étatiques, surtout. Étatiques. Ensuite, pour les privés, il y a une obligation aussi de ne pas faire transiter toutes les informations financières et légales à l'étranger. Donc, si vous avez, si votre email professionnel est un Gmail, vous êtes même pas. D'ailleurs, même légal. La loi stipule la loi e-commerce, c'est le .com.dz. Donc exactement. Forcément, les données dans le site e-commerce. Si on passe par le paiement électronique. Hein. Effectivement, si vous voulez avoir le paiement électronique, vous êtes obligé de stocker plus de données. J'ai des données ici. Sauf que ce n'est pas parce que c'est cloudé à l'étranger, par exemple, que c'est moins sécurisé que si c'était en Algérie. On n'en est pas à l'étape de la sécurité. Là, je parle juste, qu'est-ce qui obligerait les... Légalement, on est sur... Légalement, la loi. Bon, il y a une inspection qui passe, il check, ça chez toi, t'es pénalité, direct. Oui, oui, Asma, les inspections aujourd'hui, ils ont des équipes techniques qui peuvent faire ça. Oui, oui. On ne les a pas encore vus concrètement sur le terrain, mais ils existent. Alors que, on sait que la police est équipée, on sait que la gendarmerie est équipée. Donc, voilà, rien n'est impossible. Capable tout. Moi, je vois bien un policier débarquer à Gênes-42 avec son PC, se brancher, écoute, faire ses vérifications. Je te jure que je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Non. Ouais, la cybersécurité, ciao, ils ont checké ça. Non, ils consultaient ça. C'est des équipes les plus réactives en cas de plainte. C'est vrai, effectivement, il faut un travail formidable avec le cyberharcèlement notamment. Les nouveaux data centers ne vont pas s'aligner sur les prix à l'international. Ça reste une question, un gros point d'interrogation. Justement, parce qu'il y a beaucoup de business models qui sont constitués autour, c'est-à-dire comme base, des prix qui sont à l'international. Tout à fait. Notamment ceux qui font du hosting. Justement, on ne peut pas encore y être à notre niveau. Je connais un hébergeur qui donne du 300 gigas, du 600 gigas pour les startups et tout. Battle gratuitement, mais là, avec ce changement de loi et l'obligation d'héberger aussi en Algérie, il doit revoir tous ces tarifs. Oui, mais bon, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Sauf qu'on est très très loin de pouvoir arriver à ce type de business model. Voilà, très bon, je suis assez américain. Ah oui, un autre Léonais, c'est bon. C'est pas parce qu'il a une jolie chemise et tout que voilà, il faut y aller. Et que vous allez voir pendant le. Ça va tout à l'heure, j'ai dit, allez, on arrête d'en parler, mais. Non, c'est clair. Allez, changeons de thématique, il nous reste à peu près un petit quart d'heure. Okay. Quel est le sujet d'actualité autour de TIC que vous voulez aborder tout de suite? Allez, quel est, tu décides. Tu n'as pas nous sortir les chiffres de la GA de Panzer. Il les avait notés en plus. Il faudrait que j'en parle parce que c'est très motivant pour les gens qui ont assisté. D'ailleurs, je tenais. Et pour tes sponsors éventuels, c'est bien. Pour mes sponsors aussi, qui sont à côté aussi à droite. Il est orange. C'est que les chiffres sont extraordinaires. Ce qui est fort, ça dit ce qui est bien, ce qui m'a plu, c'est la participation des wilayas. D'ailleurs, je voulais donner quelques chiffres. Alger se place en première position. Évidemment, c'est vraiment la proximité géographique. Blida, 6%. Boumerdès, à 4%. Les participations la moins, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas venus vraiment, c'est-à-dire ils sont à 0,20, ils sont 17 de Nrama. Mais on a une nouvelle, c'est-à-dire il y a des gens de Tamarasset qui sont venus au nombre de 6. Je tenais à les remercier parce que ça fait très loin. Et ça fait chaud au cœur que tu sais que ton événement est presque sur 38 ou 39 wilayas qui ont assisté. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons eu 4700 visiteurs uniques par adresse IP. C'est pas des marquages, deux entrées, là, trois entrées. Ouais. 82 speakers, 17 débats, 30 workshops. Les chiffres sont. 82 speakers dans 52 trous, c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Okay. 82 speakers, mais ce qui est bien, c'est que cette année, je me rends compte maintenant, moi et mon équipe et tous les ambassadeurs que je remercie encore une fois, c'est
en se rend compte à la fin qu'on est à la 7e édition. Ouais. Mine de rien. Mine de rien, 7e édition. Et j'ai pas pris une ride. En plus, c'est filmé par Samir Bellé. On verra tes rides tout à l'heure. Donc, le Be My Up, ça a été extraordinaire pour moi parce que j'ai, avec les jeunes et tout, on a trouvé des solutions. Ils ont trouvé des solutions qui peuvent être reprises par notre partenaire aussi. C'est l'AND, l'Agence nationale des déchets, qui a fait un travail énorme pour le coaching et tout. Des participants. Bon, je voulais rebondir par rapport à l'événement Algérien 2.0. Maintenant, en tant que marque, qu'on ne doit pas citer pour la cinquième fois. Je pense que tout le monde a le même ordre. On ne doit pas citer pour la cinquième fois. Voilà, on y a fait rien. Sauf ses potes. Voilà. On l'assume l'interne. Hein. On l'assume. Comme ça. Voilà. Donc, c'était vraiment, on a trouvé que l'événement était, c'était une riche totale. Au point où Karim, il a délégué aux ambassadeurs. Non, pas forcément. Parce que c'est notre deuxième année. Participation. Pas participation, sponsoring. C'est notre deuxième année consécutive. Donc, on a cru en le projet à Karim, au Mchina, à Marine et à Mronde. C'est son jeu de mots. Voilà, donc ça s'est fait d'une façon naturelle. C'était spontané, donc c'était un moment d'accompagner Karim de Banana Nature, de faire des produits d'Arana. C'était vraiment une réussite. On va réussir pour l'année prochaine. Eh ben voilà. Je suis une barque, une petite remarque. À d'autres événements qu'on ne doit pas citer, là le timing était à vous choisir. Ah, ça c'est la discussion qu'on avait en off tout à l'heure, mais ça fait des années que c'est une arlésienne. S'il vous plaît, organisateur d'événements dans les TIC. Donc, il y a au gars ensemble, et de faire où ? Et faire nous un calendrier. Ça arrange tout le monde, ça arrange les journalistes, ça arrange les acteurs qui ne se chevauchent pas. D'autant plus que AGN 2.0, c'est la 7e édition, tout le monde connaît la date. On va leur laisser descendre. Allez, faites vos événements en décembre, on va changer de date. Tu as décidé. Donc, t'as l'année prochaine. Je ne vais pas le dire, sinon ils vont tous. C'est le principe de la chaîne 2.0, surprise. Voilà, surprise, 15 jours, tu entends. Voilà la date, allez, viens. Mais pour être sérieux, deux secondes, encore une fois, on est en train de vivre une situation plus ou moins difficile. Nous ne parlons pas de crise forcément. Mais il y a un coup à jouer en matière de TIC dans ce pays. Et si tout le monde continue encore une fois à se marcher sur les pieds, évidemment, c'est du business, on ne va pas se mentir. C'est du business, mais on peut aussi faire du business utile, du business social. Et il suffirait encore une fois que tout le monde. Il y a combien de gros événements de l'envergure de l'Algérie ? On n'a même pas 10. Là, je suis super généreux. Je suis super généreux. Un Goulouan à 10. 10, il y a 12 mois dans l'année. Il y a un événement par mois. Moi, ça m'arrange en tant que journaliste. Ça arrange les sponsors qui ne vont pas débourser encore une fois à chaque fois. Ça arrange les speakers. Ça arrange tout le monde. J'ai toujours encouragé, c'est-à-dire avec une petite participation, encouragé les événements qui sont dans le domaine de TIC. C'est bien. Et il faudrait qu'il y ait beaucoup plus. Mais seulement, il ne faudrait pas mettre le visiteur ou le participant ou le sponsor ou le partenaire dans une situation critique, c'est-à-dire où il doit choisir. Tout à fait, exactement. J'ai des partenaires et des sponsors, ils m'ont appelé, ils me disent, écoutez Karim, qu'est-ce qu'on fait ? On veut être partout et on ne peut pas. Ce mois-ci, par exemple, même si c'est des événements estudiantins, donc ce n'est pas forcément comparable, mais il y a eu 3 Wikistages en même pas 15 jours. Est-ce que ça, c'est une bonne idée, par exemple ? Non. Et avec des speakers, encore une fois, qu'on peut, je vais être méchant, mais qu'on peut trouver tout le temps, durant toute l'année. Les premières éditions du TEDx Alger, par exemple, on avait Abdallah Abbas, le gars il est au MIT, on avait vraiment, ça prenait du temps, et quand le speaker venait, c'était quelqu'un de compétent, et qu'on ne voyait pas chaque jour. Là, si c'est pour faire 3 événements, kiff kiff, au même endroit, avec les mêmes personnes, maintenant,
C'est un gérant pour le sponsor. On a été approché par notre événement, on ne pouvait pas aller être au même endroit même. Bonnet. Non, tu as des photos compromettantes de tout le monde, tu es chanté, on le sait, on le sait. Pourquoi est-ce que tu penses que tu es là 4 éditions de suite? J'ai pas le choix. Mon Facebook explose, les gens sont en train de demander la date, et ben pas encore. Mais allez, pas encore, je te dis pas encore. En parlant des auditeurs, tout de suite, il y a un auditeur qui est en train de faire un tapage sur mon Facebook justement. Il veut une dédicace, c'est Roslan Benchalef, Roger. Mais il nous fait ça à chaque fois, Roslan. Toi, tu es à l'étranger, tu te plains de ne pas venir dans l'émission. Marhaba bik, quand tu veux. Allez, là, en parlant aussi, en parlant d'événements, là. Voilà, oui, on t'avait complètement oublié. Avant de finir, Il nous reste 5 minutes, tu peux y aller. Il y a aussi le lancement de l'événement Net Lahar, donc qui est Rona. Mais tu, si tu ne changes pas le nom, c'est plus Nadia Matour. Donc Net Lahar, c'est. Je me suis ADSL Lahar. Là, pour moi, ils ont gagné le premier prix du naming. Ah, il est bien. C'est bien fou. Déposé. Mais parce que si c'est chaque. Tu faisais un événement, il me semble, l'année dernière, ou c'était un peu plus régulier? C'était bon, c'était des formations. D'accord. Là, mais c'était des formations. Donc après. Non, là, c'est des rencontres dédiées. Un meet-up. Voilà, dédiées les acteurs, la communauté web en général. Et ça va être sous des thématiques différentes chaque 2-3 mois. Donc on invite. Prenez contact avec Nadia. Voilà. Chaque fois, il y aura des thématiques. La dernière fois, par exemple, pour la première, c'était quoi? Alors, la première, c'était, on va dire, c'était le lancement, du concept, premièrement, le concept de Tlaqaou, et c'était le lancement de plusieurs projets de la Digital School. Je vais le dire, donc la DZ Digital School, qui est notre école de formation spécialisée sur les métiers du web en général. On a lancé cette année la première certification internationale reconnue mondiale. Certification de? De digital marketing. Donc c'est une certification. Et tu peux? J'ai pu. Comment? C'est Veritas? Comment est-ce qu'on peut arriver à être certificateur? On n'est pas un certificateur, mais c'est en collaboration avec, on va dire, le leader de la certification en numérique, qui est un acteur américain, qui est un que tu peux citer, vas-y. Américain de IIC. Ah non, IIC. Institute Council. On ne fait pas de IIC. Donc cette entité, encore une fois, est amenée au niveau mondial à délivrer des certifications selon des normes. C'est des normes ISO. D'accord. C'est en marketing digital, management de projet, blockchain, et ils ont plusieurs. Enfin, blockchain, c'est illégal, mais. Non, le blockchain. La crypto-monnaie est illégale, pas blockchain. Subtilité, nuance. C'est juste une technologie. Voilà. Il nous reste une minute, messieurs, on va faire un rapide tour de table. Qu'est-ce que vous souhaitez pour l'année qui vient? Puisque je rappelle que c'est l'avant-dernière émission, que la prochaine TIC sera la dernière de l'année. Un data center. On passe de l'effet de l'annonce à la réalité. Allez. Voilà. Quel est? Moi, je souhaite. La paix dans le monde. Non. Il y a la fille d'un ami qui est malade, c'est tout ce que je souhaite. On vous souhaite beaucoup d'opportunités, surtout pour les étudiants dans le domaine tech. Je souhaite du vrai haut débit. Voilà, c'est le seul. Père Noël ne passe pas en Algérie. Si, mais à l'heure, il y a qu'un âge.
Moi, je souhaite qu'on aille de l'avant. On avance tous ensemble. Juste une parenthèse. J'allais dire un site. Monsieur le gagnant de Be My Up, il est invité. Il a gagné ma belle chouchette. J'allais dire, Nardello, trois formations gratuites. La classe. Merci beaucoup messieurs, n'oublie pas toi qui m'écoutes et que je tutoie si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à dimanche. Yeah baby yeah. Là trop là, mais avant ça c'est super bien passé.